want to be free to do what you want to do. Ici, oui, c'est sympa. Je crois que tout le monde a la banane quand on arrive ici parce qu'on vit une sorte de rêve éveillé, le rêve américain, certes, mais cette ville est tellement, bouge tellement, elle a tellement de vie que c'est sympa. Ouais. Course d'homme, comme on dit, mais ouais, non, c'est vraiment les choses vont très vite. Comme les dépressions arrivent, il faut sans arrêt manœuvrer. C'était vraiment de très bonnes. C'était super pour moi parce que j'ai pu justement. Faire corps avec le bateau, c'était l'objectif de cette transat, mais ça m'a permis de faire un vrai entraînement grandeur nature dans l'océan avec sa machine. Et je dois dire que voilà, il faut mettre énormément d'énergie, il y a énormément de manœuvres qui arrivent. Et le maître mot, c'est toujours anticipation, faire attention à ne pas se laisser embarquer dans des choses un peu tardives où on va perdre du temps et tout ça. Donc non, mais c'était super pour moi parce qu'en plus, ben, je viens d'une période un peu où j'ai pas fait beaucoup de courses en solitaire. Là, revenir, faire un entraînement de ce niveau-là avec les personnes qui sont, bon, on peut le dire tout de même, parmi les favoris du Vendée Globe, les Vincent Rioux, les Aramel Lecléache, les Sébastien Josse, être en contact avec eux, c'est vraiment quelque chose de précieux pour moi aujourd'hui. Ouais. Il y a tout en concentré, ouais. C'est vrai que c'est assez complet. C'est vrai qu'on a eu du portant la première nuit, ou la seconde peut-être au Cap Finistère. Donc c'est vrai qu'on a eu des dorsales, on a eu du petit temps, on a eu du gros temps. C'est vrai que... Il a raison encore une fois, ce bon Vincent. Content de ton bateau? Oui, ouais, ouais, le bateau avance bien. Maintenant, il y a encore quelques petits réglages à trouver. Je pense que voilà, j'ai hâte de retrouver la compétition dans 15 jours. Voilà, ça m'a donné envie finalement cette course. Le goût du large est encore là, le plaisir de naviguer est toujours là. Et ça, c'est important. Ouais.